Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir aux premières captures d'écran vidéo que j'ai faites sur Animal Crossing. Alors, l'image là, ça vous spoil déjà un peu ce qui se passe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je savais pas qu'on pouvait faire des captures d'écran sur la Switch au tout début que je jouais. Je savais encore moins qu'on pouvait faire des captures d'écran vidéo. Du coup, mes premières captures d'écran vidéo, bah, quand je les ai faites, en fait, j'étais déjà vachement avancée dans le jeu et au niveau de mon île. Et aussi, j'ai dû faire quelques suppressions parce que bah, j'avais atteint le maximum de vidéos que je pouvais faire parce que j'avais pas encore de carte SD dans ma Switch, donc c'était un peu compliqué. Et pour faire mes premières vidéos YouTube, je travaillais seulement avec les captures d'écran vidéo, donc ça avait vraiment pompé beaucoup de place. Et donc j'ai dû supprimer beaucoup de vidéos, ce qui est un peu dommage, mais voilà, comme ça vous savez à peu près l'état des choses au moment où je filme cette vidéo. Et donc on va commencer avec la première... J'ai vraiment fait un screen juste pour ça. Je crois que j'ai vraiment juste fait le screen pour la tête de Mathéo. Alors, je sais pas si j'ai fait la vidéo pour la réaction de Mathéo quand je suis passée à côté de lui, ou parce que j'ai cramé Tiffen et Reynald ensemble, ou parce que Tiffen m'a clairement évité quand je suis rentrée chez elle. Ça me tue. Mais oui, voilà la première capture d'écran vidéo que j'ai. Super. Par contre, je savais pas non plus qu'on pouvait cut les vidéos, en fait. Je crois que je cherchais quelqu'un pour me donner un remède, là, d'ailleurs. Je crois que c'est juste les dialogues qui me faisaient trop rire et je faisais des captures d'écran pour n'importe quoi. Oh, il est vraiment trop mignon. Il avait pas sa vraie maison du coup comme je l'ai eu au tout début. Ah oui, je me rappelle. J'avais trop bugué parce que vraiment je suis sortie de la maison de Philibert et je l'ai vu juste après. Mais au moment où je sors, en fait, il est déjà plus là. C'est super bizarre. Regardez là. Sa maison, elle est éteinte et ses rideaux, ils sont tirés. Donc ça veut dire qu'il est déjà plus chez lui. Enfin, ça m'est jamais arrivé depuis. Et je trouve ça super bizarre. Enfin bon, ça a sûrement bugué, mais... Je sais pas. C'est vrai que eux, ils aimaient trop chanter, hein, ces deux-là. Ils arrêtaient pas. Mais je sais pas pourquoi Mathéo, il s'était foutu contre la falaise, là. C'est pas le meilleur endroit. Le point de vue est pas fou, hein, mais c'est trop mignon. Ah oui! Je sais pas si vous entendez, mais l'hymne de mon île à ce moment-là, c'était le Coffin Meme. Si vous étiez sur TikTok l'année passée, au mois de juin, vous voyez de quoi je veux parler. Et j'avais mis ça comme hymne de l'île. Du coup, quand les habitants chantaient comme ça, ça faisait cette chanson-là. Mm.
Oh, le regard qu'il me lance. Oh. Ah ben, je crois que c'est juste ça. C'est... Ouais, la manière... Regardez comment il me regarde. On dirait qu'il va me tuer. Ah oui. J'avais trouvé ça trop cool. Mais en même temps, c'était tellement fucked up. Genre, il y a un colis pour Esther qui arrivait chez Matteo et en fait, c'était pour moi. Et j'avais trouvé ça très moche. Oh, mais il est vraiment trop mignon. Faudrait que je remette des instruments comme ça sur l'île. C'est trop cool de voir ce genre de truc. Faire un bisou. C'est trop mignon. Ah oui, je crois que j'ai... Ah oui, bah j'ai juste filmé ça parce que Reynald y courait et que je trouvais ça trop mignon. D'accord. C'est vrai que c'était vraiment super bizarre quoi, ça m'est jamais arrivé depuis non plus. Ah, c'était avec Dorine. Trop bien. Je trouvais ce coin un peu éclaté, mais j'avais tenté de faire un truc pour Esther dans les tons roses et tout. Mais c'était vraiment pas mon coin le plus réussi. Hein. J'ai filmé ça. Oh, oui, je sais. C'est parce que en haut à gauche, il y a la lampe qui bug complètement. Et ça me fait un peu flipper. Ah. Là aussi, j'ai juste fait une capture parce que Tiffany courait. D'accord. Oh, oui, je me rappelle de ça. J'étais en train de construire un genre d'amphithéâtre comme j'ai à l'école, avec une partie bibliothèque et tout. Et Néferti s'était mise vraiment. Genre, il n'y a pas plus embêtant quoi, parce qu'on peut pas les faire partir de là. Quand ils sont assis par terre, on peut les faire se lever et tout. Mais quand ils sont assis sur les meubles, bah on peut bouger ni le meuble ni l'habitant, donc c'est un peu chiant. Oh, mais j'adore quand il court après les insectes. En plus, Philibert, avec son petit parapluie grenouille, c'est adorable. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Néferti et Laura, on dirait elles vont se fight. Regardez quand elles s'en vont, là. On dirait qu'elles vont se bagarrer à mort. Là. Mais on dirait qu'elles se bloquent le passage et puis qu'elles se regardent en mode « Qu'est-ce que tu veux ?» Ah ça, c'était la première fois que je rasais l'île. Il y avait des meubles partout, ça ressemblait à rien. Je me demande si c'était pas une cap... Ah non!
faisait un cache-cache. Et elle s'était mise à la place d'une statue. Genre, c'est trop fort. Ah oui, elle se foutait de moi aussi parce qu'il y avait une rampe en plein milieu. Mais normal, j'étais en train de raser toute l'île. Genre, c'est logique qu'il y avait des trucs comme ça. Qui ont pas trop de sens. Ah non. Au secours. En plus, je me foutais d'elle, quoi. Logique. Ah oui. Ça me tue. Elle a juste aucun cheveu, en fait. Mais c'est pas grave. Ça, c'était la première fois que je croisais cet insecte. Et j'avais eu trop peur. Et voilà. La chute de l'histoire, c'est que je ne l'ai jamais attrapé. Mais vraiment, Mathéo, il arrête pas. Hein. Il est trop chou. Ah oui. Je voulais absolument faire une photo avec Céleste. Et dès que je voulais la prendre en photo, elle partait. J'avais trop la haine. J'avais trouvé ça trop mignon. Comme elle souffle, vraiment en mode... C'est bon, c'est fini. Je l'aime trop, Agnès. J'en peux plus de Reynald. Il me tue. C'est vraiment un gros patapouf qui fait son sport. Genre, on dirait qu'il bouge presque pas en plus. C'est trop drôle. En plus, sa tenue, vraiment, là. Mais là aussi, je voulais faire une photo pendant qu'elle était couchée. Et puis... Au moment où je vais faire la photo, elle s'en va. Ça me saoule quand ça arrive, ça. Ah. Mais il y a tellement de captures que je faisais juste parce que mes habitants couraient. Ouais. Trop chaud. Le moment où elle renifle là. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, j'avais screen pour Reynald. Oh, il a un de ses styles. Vraiment, ces lunettes là, elles lui vont trop bien. Là, c'était la première fois que j'étais restée jusque 5h du mat, debout, sans time travel ni rien. Je sais plus pourquoi, il me semble que c'était la mise à jour de la plongée. Et donc j'avais voulu rester jusque 5h pour pouvoir tester la plongée et tout. Au final, il fallait acheter une combinaison chez Mélie et Mélo et du coup le magasin était fermé. Donc j'ai attendu pour rien. Ça, c'est juste le moment où l'heure change. Yes. Ah, oh, mais encore une fois, il y a Philibert qui court. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Ah, ça, c'était chez Dorine, pour une fois. Drôle.
fait aucun sens. Ah, là, j'avais pu commencer à pêcher. On était encore chez Dorine, du coup. Elle m'applaudissait même pas. Super. Rien à caler, la meuf. Je crois que c'était la maison. Ouais, c'est la maison de Bibi. Et encore une fois, c'était juste pour ça, quoi. Alors la moitié des vidéos, c'est parce que les habitants y courent. Ok. Oh, ça lui va trop bien. Ah. Yes. Ma petite Pansy, elle était trop chou. Je m'habituerai jamais à comment les grandes sœurs elles parlent. Et je sais pas si vous avez reconnu ce kimono là, c'est moi qui l'avais fait. Je l'avais mis dans la boutique du coup. Et c'est mon copain qui m'avait demandé de le faire. Parce que c'est un kimono dans One Piece. Monsieur. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de dialogues comme ça? C'est grave dommage. Enfin, c'est peut-être parce que je joue moins aussi. Enfin, ça paraît logique. Mais... Je sais pas, j'ai l'impression que les dialogues sont beaucoup moins variés maintenant. Enfin, c'est toujours les mêmes. Ça doit être pour ça, oui. J'avais déjà Loupio. Mais j'ai vraiment gardé super longtemps en fait, Loupio. Bah, Laura aussi, en fait, ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant. Jamais rien, Loupio. Ah, oh, j'avais mis le drapeau de marine. Oh, je trouvais ça trop mignon. Mais lui, j'ai vraiment pas gardé longtemps. Enfin, je l'avais pris vraiment pour le faire partir.
Mais la phrase là, je l'avais trouvée trop chou. Ah, c'est encore parce que Tiffen courait. Mais ça aussi, c'est adorable. Ces petites oreilles qui bougent. C'est tellement mignon. Tiffen, je l'aimais vraiment trop. Elle m'appelait Bébou. C'est tellement mignon. Oh, trop mignon. C'est quand j'avais enfin eu Ramsès. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Attendez. Ah oui, il m'a vraiment offert ça. C'est vraiment en mode. Allez, t'es laide. Mais vraiment, Ramsès, bah ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais j'ai essayé de l'avoir pendant des mois. Et tout le monde le gardait chez lui. Jusqu'au jour où j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me le donner. Et là, j'étais refaite. Ah, oh, c'était ma poste. J'avais fait une poste trop stylée à côté de la maison de Kiki. Ou Lupio, je me rappelle plus. En fait, ça a été la maison des deux, mais je me rappelle plus laquelle des deux c'était à ce moment-là. Enfin bref. Oh! Ah oui, mais même encore maintenant, je l'ai pas eu. Oh, oh là là. Fallait vraiment le voir, là. Mais il est trop mignon. Regardez-le. Oh, j'adore. On dirait vraiment qu'il se dépêche d'aller à l'aéroport parce qu'il voit l'avion arriver, quoi. C'est trop chou. En plus, à ce moment-là, dans ma tête, Tiffen et Reynald, ils étaient amoureux, donc. Et d'ailleurs, si on a vu la vidéo de Tiffen qui s'en va, c'est parce que j'avais time travel pour la faire partir. Du coup, c'est pour ça que les dates sont pas trop réelles en fait. À mon avis, après cette vidéo-là, j'arrêterai de filmer. Pour qu'on en garde un peu pour plus tard quand même. Mon île, il ressemble à rien à ce moment-là. Oula. Oh, oh mais ça buguait tellement. Oh, je me rappelais pas que ça buguait autant. Et c'est juste pour ça que j'ai fait une capture. Mais c'est chaud. Parce qu'il me semblait pas que j'avais tant de meubles que ça en fait. Oh, oh non mais quelle horreur. Ouais j'ai une sainte horreur des îles qui buguent comme ça. Ben du coup, c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu moins interactif que les vidéos où je regarde mes photos. Bah parce que moi aussi je regarde les vidéos, donc il faut que je me concentre sur la vidéo. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous plaît, j'en referai sûrement, parce qu'il doit me rester quand même pas mal de vidéos à regarder. Et donc j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi tout ça. Ça m'intéresse toujours de savoir si ça vous plaît.
En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !